Eh bien salut les amis, c'est Kamado, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Poppy Little Time sur le chapitre 2, donc le troisième épisode en tout. Eh bien merci à tous d'être là et on va pas perdre plus de temps, on va y aller directement. Juste avant quand même, je ne commence pas la vidéo tant que vous n'avez pas liké. C'est bon, je vous ai laissé assez de temps, je pense. De toute façon j'ai envie de jouer, donc je joue, mais n'oubliez pas de liker les amis. Alors, on était juste ici et j'étais pas rassuré. Parce que si je descends là, je peux plus remonter en fait. C'est quoi? Alors je croyais que c'était Freddy, mais en fait non, c'est Sir Poops a Lot. Quoi? Ça veut dire Monsieur chie beaucoup. Ça voulait carrément dire ça. Poops a Lot, ça veut dire bah chie beaucoup. Enfin Poops c'est plutôt genre faire caca. Voilà, Monsieur fait beaucoup caca. Oh non non non, je veux monter, je veux monter. Mais non, je veux monter, j'étais bien. Le plus haut je suis, le mieux c'est. Est-ce que je peux monter là? Je pense pas. Peut-être pas tout de suite. Oh! Il y a un mécanisme. Pourquoi tout est cassé? Qui est venu ici tout casser? J'aime pas ça, hein. Salut! On peut en y faire. Il n'y a pas un petit jouet pour moi? Oh, il y a le dinosaure! Enfin, attendez, attendez. Le dinosaure, là, il est gentil. Enfin, il est pas gentil, il est inanimé. Peut-être qu'il finira par devenir très méchant. Comme la majorité des choses de ce jeu. Oh, il y en a un autre là. Il y a un bouton. Est-ce que j'appuie dessus? Non. Oh. Vas-y, ramène-le. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je... C'est qui lui? T'es quoi toi? T'es quoi là? Oh, quelqu'un lui a marché dessus. Regardez, il y a un enfant qui lui a marché dessus. Oh, le pauvre. Ça me fait de la peine. Attendez, mais il est moche. Ok. Par contre, oui, il y a beaucoup de... Ok, vas-y, de Sir Poops a Lot, on est content. Par contre, moi, ce que je voudrais... Oh, Mommy Longleg. Par contre, moi, ce que je veux, c'est la cassette. Il faut une cassette turquoise. Sérieux? Waouh. Attendez. Ça, je pense que ça va faire rien pour l'instant. Ah, si. Non. Non, non, ça n'a rien fait. Qu'est-ce que ça dit, ça? I'm looking for you, quoi? Bon, tais-toi. Wow! Ah, bon, pas parce qu'il y a lui dessus, c'est ça? Ok, on doit monter avec le monte-charge, mais là, lui, il nous embête. Va-t'en, va-t'en! Faut que je réussisse à le décaler. Là j'ai ça, mais... J'en fais quoi? J'ai pas vu d'endroit où je devais apporter ça. Ah, là, il y a un truc, non? Ah, voilà! Ah mais je peux le déplacer. Attendez, mais ça va être quoi le piège? Attendez, ça va être quoi le piège? Tout se passe un peu trop bien à mon goût. Quand les choses se passent trop bien, c'est pas normal. Parce que là, juste je l'emmène là et c'est bon, on y est. Il faut faire tout le tour de la pièce. Ça va effectivement pas se passer très bien, je pense. Avant de faire le tour de la pièce, on peut pas trouver la cassette. Je regarde un peu. Je peux emmener ça. Ok, il y a un truc qui a bondi, on sait pas comment, mais je peux emmener ça avec moi. Ça va me servir à quoi? Enfin, j'en ferai quoi si je l'emmène? Si j'en... Je peux pas en utiliser deux pour que ce soit plus rapide? Non mais attendez, mais je suis en train de prendre une gazinière jouée avec moi. Mais je m'en fous en fait, stop. Bon, je peux pas trouver la cassette, c'est bon. C'est bon, y a pas. Vas-y. Enfin, si, y a. Mais je sais pas où. C'est bizarre que tout se passe si tranquillement. Dino est toujours là, tout est toujours là. Pourquoi ils ont fait un chemin si compliqué? Vas-y, va là. Très bien. Et donc... Vas-y, là tu le prends. Et on l'emmène.
Bon, on l'emmène où? Nulle part, on s'en fout parce qu'il va bientôt retomber en fait. Faut pas qu'il tombe sur moi, je pense. Ok, c'est bon. Mais il est gentil. Ok, il nous attaque pas, rien. J'ai eu peur. Par contre, la cassette, ça me perturbe. Il y a plein de cassettes que je loupe. J'ai aucune idée d'où elles peuvent être. Il y a rien là-haut, là? Eh. Bon, tant pis. Ça, c'est quoi, déjà? Ah, c'était le courant. Incinerate Kick Me Paul, Corrited. Attendez, je dois brûler Kick Me Paul. C'est qui? Lunch with Avery. Non, mais c'est pas moi, en fait. C'est des autres gens qui travaillaient là. Bon, ok. Très bien. Maintenant, je peux m'en aller? Il va y avoir un truc qui va se passer. Hein. C'est bizarre, il y a des rails. Et mais j'aime pas quand le jeu est calme. Le jeu, il est pas fait pour être calme. Il y a un truc qui va se passer, non? En fait, j'ai l'impression que dans le jeu, il se passe pas grand chose. C'est juste que ça nous fait peur. Parce qu'on croit qu'il va se passer quelque chose, alors qu'en fait, non. Il y a quand même du bruit, hein. Ok. Bon, il n'y a pas de courant. Merci, merci. C'est tout? Ok, et maintenant? Attendez, quoi? Hein? Alors. Voilà. Et maintenant, on va là. Tout, 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 tout. Très bien, très bien. C'est pas bien difficile, tout ça. Eh, mais comment j'avais galéré sur ce truc dans Poppy Playtime chapitre 1. Et là, ça va, on s'en sort quand même tranquillement. Cool. Ok. Bon. On est où, là? Dans des entrepôts. Ah! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est rien en plus. Je fais que d'avoir peur de trucs qui se passent littéralement rien. C'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était quelqu'un. C'est juste une fissure. Et mais il y a du sang partout. Bon, vas-y, retire la chaise. Allez, au revoir la chaise. Très bien. C'est dangereux de laisser les chaises traîner dans l'escalier. On est revenu où? On est revenu là? Eh. Non, tu sais pas quand t'es mon anniversaire. Ah, on peut plus y aller? Elle a tissé une toile, on peut plus aller là. D'accord, bon, très bien. Y'a rien? Ah, statues. Oh non, il va y avoir la chenille. Oh. Bon, vas-y. Je sais, je m'en suis très bien sorti. Oh, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais là? Wacko Wuggy. Wacko Wuggy. Ah, c'est pour le code. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Ok, j'en sais rien. Ok, comment on change le code, cela dit? De toute façon, c'est scripté, on peut pas l'activer pour l'instant. C'était quoi ce bruit? Je pense que c'était juste le truc qui s'ouvrait. Hein. Je stresse pour rien, c'est ouf. Wacka Wuggy. Hmm. Eh, mais il y a plein de Huggy Wuggy de toutes les couleurs. Grow happy, healthy kid. Ouais, bah faudrait déjà grow et pas qu'on meure avant. Waouh! J'en ai déjà, j'en veux pas plus. Attendez, ça sert à rien de venir ici? Y a pas un petit secret? On dirait bien que ça ne sert à rien. D'accord, ok. Juste pour décorer. Ça va être comme le jeu des taupes, il va falloir écraser les buggy quand ils sortent. Ça vous amuse? Ah! Ok, moi pas trop. Mais on dirait vraiment des salles d'observation, genre...
On dirait on est dans un laboratoire en fait, pas dans une usine de jouets. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Ouais. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. J'en ai un. Around you are 18 sizable holes. And a Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Oh mon dieu, de chacun d'entre eux. If one comes out, hit it with your grab pack. Sinon je meurs. That's all. Good luck. Va falloir que je les surveille tous. Mais il y en a beaucoup trop. Mommy, elle vient pas me parler. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close. Ah, sauf que... Ok, avant il y avait des câbles pour les retenir. Mais maintenant il y a plus. Donc, genre, s'ils viennent trop près, ils vont me tuer. Oh là là. Oh mon dieu. Y'en a un. Oh oh là. Mais on voit rien. C'est horrible. Mince, mince, c'est horrible. Ok. Il allait me foncer dessus, je pense. Je dois survivre combien de temps? Ah! Est-ce qu'on peut, genre, augmenter la luminosité? C'est pas possible, ça. J'ai mis la luminosité au max. Mais genre c'est tellement fort qu'on voit plus... Enfin genre en fait on dirait qu'il y a de la brume. Je suis pas sûr qu'on voit mieux comme ça hein. En y pensant Salut. On se serre la main? Non. Ok ok. Est-ce que le premier arrive toujours du même endroit? Oh oh. Mince. Là, il y en a un. Là-haut. Là, il y en a un. On dirait qu'on est obligé de s'approcher pour bien voir. Non. Là, il y en a un. Non. Ok. Ils sont où? Là-haut. C'est ultra stressant. Mince. Là-haut? Il y en a un autre? Ah, mais sérieux? C'est trop dur. Et la plus de luminosité, ça a pas l'air d'aider forcément. C'est marqué en quoi? C'est quoi cette langue? Evan. Quoi? Ok. Et j'ai un très mauvais repère sonore. Parce que normalement, on sait d'où ils viennent. Le son, il est en 3D. Mais moi, je suis trop mauvais. Ok. J'ai trop de mal à repérer les sons. Ok. La tête que je dois faire. Ah, y a à me concentrer. Je suis sûr dans les commentaires, vous devez m'aider. Je vais me dire, il y en a un là, il y en a un là. Mais ce n'est pas un live. Heureusement qu'ils nous préviennent quand ils vont venir.
C'est long, hein. C'est très long. Ok, ouf. Mince, je suis mort, non? Je sais pas où c'est, je sais pas où c'est. C'est... J'avais vu à la fin, sérieux. En fait, faut pas que j'hésite à me rapprocher. Parce que je reste loin de peur qu'ils m'attaquent. Mais en vrai, ils m'attaquent pas tant qu'ils sont pas sortis du trou. Donc on peut s'approcher. Ok, ok. Enfin, je pense, hein. J'aimerais pas être surpris par un qui m'attaque directement. Là, il y en a un. Mince. Ok, ouf. S'il allait venir. C'est grave chaud. Et tu peux les repousser que quand ils sont vraiment prêts. Et ça, c'est relou. J'ai perdu là, je pense. Mince! Oh là là, c'est dur! Ils sont trop mignons, les Huggy! En plus, on leur donne une petite tape. Et ils s'en vont. Ils sont mignons, hein? Ils sont pas mignons, je les ai jamais trouvés mignons. Je les déteste. Oh, très bien. C'est trop long! Je tape par défaut, hein. Vaut mieux taper pour rien qu'en laisser sortir. Ok. Vas-y. Je suis stressé, j'en vois plus. Vas-y. Là-haut. Là. Là-haut. Il y en a trop. Mon Dieu. Stop, stop, stop. Oh mon Dieu! Ouf! You did it. You did it. Yes, I did it! Elle est fière de moi? Merci, c'est gentil. Mais elle s'amuse de fou avec nous. Alors qu'elle pourrait littéralement nous tuer en 2 secondes. Oula, tout le sang! Il est où le hint? Bah. Oui? Je le prends où? Ah, il est là. Merci. C'est bon. Et donc, on a quoi? Ah, mais il est de dos. Attendez, quoi? Ok, je pense qu'on va s'en sortir. Ça va aller, ça va aller. Bah oui, il n'y a plus qu'un jeu à jouer. Sad. J'ai pas envie de rester ici pour toujours, non. Non, non, allez, on peut s'en aller. Ça l'a fait rire, pas moi. On s'en va par là, ok. Bon, j'ai rebaissé un peu la luminosité. Ouais, bon, bref. Après, c'est vrai qu'ils ont allumé la lumière dans la salle, donc je peux difficilement comparer. Bref, y a rien pour moi, là. Oula, mais... Les gens, quand ils ont fini le jeu, ils jettent leur backpack comme ça. C'est pas très respectueux, quand même. Après, qui nettoie? Pas moi, j'espère, en tout cas. Salut! Mais je trouve jamais les secrets, moi je suis trop nul! What? Déjà je peux pas continuer à avancer, bah oui, normal, il y a un trou. Je suis dans un trou.
Comment je monte? Comme ça? Non mais c'est trop loin. Mais là je pourrais pas. Et allô? En allant sur la barre? Ah ouais, sérieux. Mais il est bien courageux le gars. Hein. Parce que moi je ferais pas ça. Hein. Je veux ça. Yes! J'ai un Oogie Woogie doré. Attendez. J'ai Daisy et j'ai Kissimissi. Ouais, mais on peut pas vraiment les reconnaître quand ils sont comme ça. Et là, je peux y aller? Yes. Très bien. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts de chute, mais bon. Je préférais quand même ne pas tomber comme ça. Oh, trop mignon, le petit chat! Oh, ça le nourrit quand on appuie dessus, on lui donne des bonbons. Nom, nom, nom. Give me more. More candy. Non mais ça va, t'en as assez des bonbons. Tu vas grossir. Ok. Ça suffit, ça suffit. Attendez, je peux continuer à y en donner alors qu'il en veut pas? Stop! Je vais le tuer. D'accord, ok, ça l'a réinitialisé. Je croyais qu'il était vraiment mort à force de manger trop de bonbons. Ça aurait été terrible de ma part, mais drôle en même temps. Là-dedans, il y a des trucs... pas halal, hein. Ça c'est clair. Qu'est-ce que... Ok... Carte corridor. Ok, ah, on va faire du train. Oh, ça serait trop bien qu'on fasse du train de la mine. Quoi? C'est Kissimissi? Attendez, mais elle peut venir? Elle peut pas venir, elle est bloquée. Salut, salut ma belle. Ça va? Tu peux pas m'avoir? Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Hein? Mais elle nous aide? Elle est de notre côté, Kissimissi? Huggy Wuggy, il est méchant, mais peut-être que Kissimissi, elle est de notre côté. Elle a l'air de nous avoir aidé. Bon, elle fait la même tête bizarre méchante, mais elle est pas revenue, là. Elle s'est barrée. Je pense qu'elle nous aide, alors. En même temps, s'il y en a un méchant, ce serait sympa que son clone, enfin, plutôt sa meuf, j'en sais rien, en fait, son autre moitié, je crois avoir lu, soit gentil. Enfin, comme ça, il y a la partie gentille, la partie méchante. Après, peut-être que je me suis trop vite excité et qu'elle va être méchante aussi. Qu'elle nous emmène dans un piège. Les connaissances seraient pas impossibles. On peut pas monter là, d'accord? Barry. C'est lui, Barry? Il va falloir l'amener quelque part. Je sais pas pourquoi et je sais pas comment. Vas-y. Ah mince! Ok. Est-ce que j'aurais dû garder l'électricité? Non. J'aurais peut-être dû garder en fait. Bah non! Est-ce que je vais pouvoir ouvrir là? À quoi ça sert qu'on ouvre tous ces trucs là? Déjà j'ai une question. Et on va avoir une réponse. Ça c'est quoi? C'est juste pour revenir dans la salle si t'as pas fait le truc dans... Enfin, suffisamment vite. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tranquille, tranquille. Bon. C'était où, c'était où? C'était là. Est-ce qu'il fallait continuer avec? Mince. Ok, ok, très bien. Waouh! Ça allait m'écraser. Hein. Non, ça va, ça va. On avait du temps, en fait. Très bien. Eh, il y a une cassette là. Pour une fois qu'elle est à côté. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis?
Oh, c'est qui? Ça fait trop bizarre d'avoir des vrais gens. En 1991, j'étais même pas né. C'est quoi cette voix? Il demandait si ça le dérangeait de filmer. Il a dit non, pas du tout. Je comprends son accent. Quoi? Il a vu un truc en partant de la cafétéria. Je comprends rien. I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Wow, il a vu un truc dans le hall qui était... Look, it wasn't people, all right? C'était pas une personne, il dit c'était une chose qui faisait 50 pieds de long et qui avait 1000 bras. Besides me, obviously. Ou jambes, ou pattes. Okay. Il dit qu'il l'a dit qu'à lui. What? There's a massive bloody monster. Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Le gars à la caméra, il dit c'est, enfin, qui filme, il dit c'est pas possible. On fait pas des monstres ici, on fait des jouets. Donc genre c'est pas possible. Mais quoi? Et il lui a demandé, tu en as parlé à quelqu'un d'autre? Et il a dit non, bien sûr. Pourquoi? Il veut le tuer? Je pense qu'il va le tuer. Hein. Parce qu'il a été témoin d'un truc qu'il aurait pas dû voir. À mon humble avis. Et Dieu sait que mon avis est humble. Attendez quoi? Je peux pas allumer les deux. On peut pas allumer les deux, c'est pas possible ça. Ah mais là il y en a un autre. Ah j'aurais dû faire ça. Ah attendez, je comprends. Je comprends ce qu'on me demande. Allez-y. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Non, arrête. Bon, très bien. On va essayer quand même. Ok. Eh bien j'avais... Ah! Il faut en plus que je l'amène. D'accord, mais j'avais pas tout à fait le temps en fait. Ah non, ça reste ouvert. Ok, bah parfait. Ça sert à quoi d'amener Barry ici? Barry. Power the future. Ouais, j'y tâcherai. Ah, pour casser le truc et pouvoir continuer notre route. Très bien. On va te sacrifier, Barry. Désolé. Mais c'est pour... bah, pas pour le bien de l'humanité, en fait. C'est juste pour que nous, on puisse sortir d'ici. J'espère que ça te dérangera pas. Wouhou. Très bien. On dirait qu'il est parti... dans un trou sans fond. Je suis un peu triste pour lui quand même, mais bon. C'est la vie, hein. Faut bien qu'on sorte d'ici. De toute façon, ce sont que des jouets, on s'en fout. Ok. Oh. Très bien, on est de retour ici. C'est parfait. Et il y a de nouveaux trucs ici? Non, rien, tout est comme avant. Ouais, bien les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Poppy Playtime chapitre 2. J'espère que ça vous plaît. Le jeu, d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui m'ont demandé dans les commentaires. Le jeu, il est sur PC, mais le chapitre 1 était sorti sur mobile. Donc le chapitre 2 sortira sûrement sur mobile. Mais on sait pas quand parce qu'il avait mis longtemps le chapitre 1 à sortir sur mobile. Donc bref, on verra bien. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Demain, je pense que ce sera la dernière partie. Donc n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et à demain les refs. Salut.